Les bâtiments, c'est un peu pas neuf. Nous avons eu à faire beaucoup de bâtiments. Il y a le bâtiment principal, il y a l'entrepôt, il y a des postes de contrôle et bâtiments pour la police. Par rapport au temps, nous avons fait plus de 2 ans. Plus de 2 ans, il y a eu certains aléas en rapport avec Covid. Il y a eu trop de problèmes, mais quand même, tout est bien qui finit bien. Vous voyez vous-même la qualité du bâtiment. Vous voyez même le bâtiment principal. Il y a eu le radier général qui a été fait sous Tali. Donc tout a été bien normalisé dans le dimensionnement international. En tant que maître d'ouvrage délégué, a signé un contrat en 2019 avec l'entreprise chinoise CEFEC pour la construction de ses postes frontaliers. L'entreprise s'est mobilisée depuis 2020 pour la construction pour un délai initialement prévu à 18 mois. Mais compte tenu de la pandémie de Covid et toutes les autres contraintes liées aux travaux, les travaux ont finalement pris 38 mois d'exécution. Au mois de février 2022, l'entreprise a saisi le ministère pour procéder à la réception provisoire. Étant donné que le site devait impliquer tous les bénéficiaires du poste de l'ordre opérationnel, le ministère a demandé des experts au niveau national de faire une visite d'inspection sur les sites de Rouzizi, sur tous les autres sites, pour voir comment était organisé le fonctionnement et si tout ce qui était prévu dans les contrats était bel et bien réalisé par l'entreprise. Nous avons commencé la mission d'inspection depuis le 25 avril 2022 avec tous les bénéficiaires. Nous avons commencé par les sites de Rouzizi, où nous avons levé beaucoup de réserves quant au fonctionnement et aux autres équipements du site. Le site de Rouzizi où nous sommes maintenant est composé de beaucoup de bâtiments. Nous avons à l'entrée un poste de sécurité qui a 2 locaux destinés au service de migration, je crois, et de la DGDA, équipés des scanners et puis des portiques de détection de métaux. Nous avons un bâtiment principal qui a 3 niveaux. Le premier niveau, le rez-de-chaussée, comporte tous les services, la DGM, la DGDA, le SCAV, l'OCC. Le deuxième niveau comporte les services de la DGM et une partie des services de l'OCC. Le troisième niveau est destiné aux services de la DGDA avec une partie des services du PNHF. Au total, pour le bâtiment principal, nous avons 44 locaux. 2 salles de réunion, 1 salle de serveur et 1 salle de batterie. Nous avons un bloc technique qui a 3 locaux. Il y a un local pour l'électricité, un local pour la plomberie et un local qui est destiné aux réserves pour l'entretien du site. Nous avons ensuite un bloc sanitaire qui comporte 2 compartiments, hommes et femmes, et des petits compartiments pour des personnes à mobilité réduite. Nous avons un petit parking, un port-export, qui donne directement à l'entrepôt de la DGDA, où il y a un dépôt, il y a une chambre froide de 80 mètres cubes, et il y a des bureaux destinés à l'OCC et puis à la DGDA. Et nous avons un poste de police des frontières, qui
qui a tous les trois locaux, trois bureaux et une petite salle de détention provisoire avec un bloc sanitaire à l'intérieur. Le site est alimenté directement par le réseau électricité de la SNED. Nous avons connecté le site sur le réseau public avec un compteur de prépayé. En plus de l'électricité de la SNED, le site est équipé d'un système solaire. Nous avons au moins 80 panneaux avec une autonomie au moins de 30 à 35 heures. Nous avons fait un forage avec un château d'eau de capacité de 20 mètres cubes. En plus du système de la régie des eaux qui alimente les sites. Je crois qu'en bref, c'est un peu une présentation sommaire de notre site de Rosizi. Nous avons eu beaucoup de réunions et je crois que c'est quand même une idée un peu sommaire. Le site, comme vous le savez, est sur un terrain qui est trop accidenté. Nous avons eu beaucoup de problèmes quand on a planté les bâtiments. Nous avons dû construire un mur de soutènement pour stabiliser les talus qui est à côté du lac. Et le site est sécurisé par une enceinte en grillage métallique. Donc pendant la mission d'inspection avec tous les bénéficiaires, nous avons eu à faire beaucoup d'observations à l'entreprise, pas simplement des bénéficiaires qui venaient de Kinshasa, mais aussi nous avons eu l'avantage d'avoir les visites ponctuelles permanentes des directeurs provinciaux de la DGM et de la DGDA qui, chaque fois qu'ils passaient, émettaient des réserves que nous prenions en compte juste pour que les sites soient fonctionnels et répondent aux besoins de tous les bénéficiaires. Le plus grand souci, c'est que cet ouvrage doit rester plutôt dans les standings tels qu'il est construit. Nous n'en avons pas beaucoup dans le pays. Je crois que c'est un premier pas que nous faisons. Nous sommes à 4 millions 200 pour tous les bâtiments, tout ce qu'il y a comme mobilier et tout ce qu'il y a comme travaux. Nous sommes pratiquement 4 millions 200. Donc nous voulons vraiment solliciter à l'ordre opérationnel, à tous les bénéficiaires, ces soucis de préserver ces sites. Il n'est pas trop grand, mais avec les moyens qu'on avait mis à notre disposition, c'est ce que nous avons fait. Les plans ont été faits par vous, les bénéficiaires. Les plans ont été faits par les Congolais. Les travaux ont été suivis par les Congolais, bien que c'est une entreprise chinoise qui l'ait construite. Mais en tant que Congolais, aujourd'hui, on peut être fier de dire avec 4 millions, on peut faire quelque chose de bon pour notre pays. Donc à l'ordre opérationnel, moi personnellement, je suis obligé d'être là tous les 3 mois, tous les 2 mois pour voir comment est-ce que le site est en train de se comporter. Mais de votre côté, je vous demanderai vraiment avec tout le respect qu'on vous doit de bien garder ce petit bébé pour qu'il soit quand même notre petite fierté de dire à Bukavu, nous avons maintenant des sites de Rosizi 1er et de Rosizi 2 qui répondent à un certain niveau aux standings internationaux par rapport aux postes frontaliers. Bon, je ne voudrais pas beaucoup monopoliser la parole, c'est un peu un petit aperçu du projet que je vous ai fait. Je vais remettre la clé du chef de la commission, des marchés, pour son mot et puis la remise officielle. Au nom de la commission de marché de la série d'infrastructures, nous allons remettre les clés à l'ordre opérationnel. Et à notre niveau, nous vous invitons à gérer ces bâtiments à très bon père de famille. Surtout que les 12 mois à venir sont très délicats dans la mesure où nous allons observer les malfaçons, j'insiste bien, du travail qui a été fait par les Chinois. S'il y a des malfaçons au moment soit de la conception, soit de l'exécution, si ces malfaçons apparaissent, nous avons l'obligation de demander à l'entreprise de réparer. Et pour ça, si l'entreprise ne répare pas, nous avons la garantie de bonne exécution que nous détenons
et nous allons commencer à puiser là-dedans. Mais par contre, s'il y a des dommages causés de l'utilisation des infrastructures par nous, le contrat est bien clair là-dedans. Et donc, nous vous invitons, il faudrait bien que ces bâtiments qui paraît très beau, qui continue à être entretenu. C'est pour la première fois pour moi personnellement que j'initie, j'arrive à un projet et que je vois l'infrastructure. Ici, je ne suis pas arrivé, je n'étais pas là avant, mais au moins, à la fin, je vois le bâtiment. Partout ailleurs, je quitte et les autres continuent. Mais au moins, je vois ces bâtiments que je trouve très beaux. Prenez garde de ces jolis bâtiments. Pour qu'au moins qu'on dise que dans nos frontières, on peut quand même trouver quelque chose qui est dans les standards internationaux. Ce qui manque, soyez-en sûrs que nous allons nous investir. En ce moment, il y a une réunion qui se tient à Kinshasa. Je devais suivre cette réunion par vidéoconférence, mais vu l'importance de cette cérémonie, je préférais y être. Nous sommes en train de discuter. Les fonds sont là. Au moins, la Banque mondiale a accepté de donner un financement additionnel pour que nous prenions en compte tout ce qui a été demandé. En principe, on ne pouvait pas le faire, mais on trouve que dans un poste frontalier, sans les équipements pour scanner les passeports, ça ne vaut pas la peine. Partout ailleurs, quand on y va, on prend le passeport, on le scanne. Et donc, nous sommes bien conscients que c'est au moment où on avait conçu le projet. Nous allons le faire, soyez sûrs. Angela, nous autres, nous viendrons de temps en temps pour vérifier, parce que maintenant, nous allons nous concentrer pour le poste frontalier de la petite barrière, où nous avons eu des problèmes. Maintenant, on est en train de régler, on a envoyé quelqu'un qui doit chercher à indemniser les gens pour qu'on commence le travail. Utilisez ces bâtiments, quittez les conditions dans lesquelles vous travaillez, pour que vous travaillez dans les bonnes conditions, afin que, au retour, les pays et les ressources qu'il faut pour qu'au lieu qu'on aille encore chercher un prêt ou un don à la Banque mondiale, que nous soyons quand même en les clés de cet armoire où se trouvent toutes les clés, afin que vous soyez en mesure de le répercuter aux utilisateurs qui devront utiliser ces bâtiments. Merci. Nos remerciements vont particulièrement au président de la République, chef de l'État de la RDC et du projet de facilitation du commerce dans la région du Grand Lac, qui nous a doté ces beaux bâtiments qui servira de génération en génération. Veuillez agréer, messieurs, mesdames, l'expression de notre considération. Monsieur le directeur provincial de la DGDA Sud Kivu en Bukavu, au nom de Madame le directeur général des douanes des Assises, nous vous remettons officiellement ces clés de ces bâtiments qui devra abriter tout le service administratif œuvrant à la frontière des Rougies-et-Indes. Nous vous demandons de bien garder et de bien entretenir cet ouvrage qui va servir de génération en génération. Avec expression de tous les compliments de Madame le directeur général, je vous invite à réceptionner les clés de manière officielle. Si vous pouvez ouvrir. Symbolique. Okay.
nous espérons que tout est là. C'est en fait d'une manière symbolique que nous sommes en train de le présenter. Je vois qu'en son temps, on pourra effectivement, lors d'une cérémonie, en fait, les distribuer. Si on peut. Nous disons que c'est une grande responsabilité que de pouvoir en fait recevoir les clés. J'ai dit que c'est d'un côté c'est une joie de pouvoir recevoir ce bâtiment, mais de l'autre côté c'est une en fait interpellation. Parce que l'idée générale ici c'est pouvoir le maintenir en l'état. Et ça, ce n'est pas seulement l'affaire de la DGDA, c'est aussi l'affaire de toute la coordination, tous les services œuvrant sur cette plateforme. Et nous tous, comme un seul homme, nous aurons cette grande responsabilité et de pouvoir maintenir en fait ce bijou. C'est un bijou qu'il ne faut pas gratter. Mais néanmoins, ça, nous le disons, c'est une réception provisoire qui, en fait, comme a dit en fait le spécialiste, qui va permettre pendant une période d'une année de pouvoir en fait reconnaître des malfaçons. Et en fait, au nom de l'ordre opérationnel, en fait, nous nous engageons à pouvoir agir en bon père de famille pour maintenir ce joyau, ce bijou à l'état. Je dis et je vous remercie. Remercions pour votre participation. Voilà. C'est toujours une fierté de pouvoir recevoir les clés, mais il n'y a pas que la fierté, c'est aussi en fait une interpellation, parce que recevoir le bâtiment, ça signifie qu'il faut tout faire pour maintenir en fait ce bâtiment à l'état. Ce que nous avons reçu aujourd'hui, c'est un joyau, c'est un bijou. Et il n'y a pas que le bâtiment, il y a aussi en fait tous les équipements qu'il faudra maintenir à l'état. Donc c'est une grande responsabilité. Et la DGA n'agit pas seule en fait sur ces sites. C'est et la DGDA et l'ensemble de tous les services qui en fait agissent sur cette plateforme. C'est en fait à cet ensemble qu'incombe cette responsabilité de pouvoir en fait maintenir en fait à l'état. Et il n'y a pas que les services qui œuvrent, c'est aussi tous les usagers qui en fait vont commencer à passer par ici. Aussi en fait incombe cette grande responsabilité. Il y a 10 jours, d'après ce que ceux qui ont donné le bâtiment nous ont dit, il y a 10 jours observés, le temps de pouvoir évacuer tous ces conteneurs et le temps aussi de pouvoir en fait, comment dirais-je, laver, entretenir pour mettre à notre disposition cet ouvrage en bon état. Donc, il y a 10 jours, donc je crois qu'après 10 jours, nous pouvons en fait commencer à l'utiliser. Mais je voudrais aussi souligner que c'est pendant en fait une année où nous allons l'utiliser pour que ceux qui ont construit puissent se rendre compte de quelques malfaçons afin de pouvoir en fait intervenir. Et l'inauguration en fait finale décisive interviendra dans une année. Essentiellement, pour votre information, une commission a été mise sur pied pour pouvoir
étudier comment on peut en fait fractionner ce site en zone de sûreté. Et cette commission pourra rendre en fait ses conclusions d'ici quelques jours. Et je suis sûr et certain que la fraude sera endiguée sur ce site.